D'arrêt folie, donc là, on se retrouve pour faire du car dealership tycoon. Ok, bon, enfin, on a fini le mur. Alléluia. Ouais, donc c'est ça. Fait que là, oh oui, le parking. Oh oui. Oh yes! Fait que ça, c'est cool. Fait que, oh oui, on achète plein de trucs. Puis le truc le moins cher, c'est ça ici, Edge. Voilà! Donc là, bah pour commencer, regarde, on a déjà bien. Oh non, attends, je suis buggy. Comme vous pouvez le voir, le nom du jeu, c'est Flames Car Dealership Tycoon. Ouais, let's go. Faut encore que j'en trouve une place proche. Je dois avoir une place parce que je vais me reconnaître. Pas en plein milieu de la ville en tout cas. Ça va être une bonne place. Bam! En tout cas, ouais. Yo! Bon, on se retrouve encore pour du Call of Duty Shit Tycoon. J'ai fait des vidéos sur mon ordi que je devrais sûrement publier. Je sais pas qui en gros, mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, regarde. J'ai mes petites voitures ici, calmement. Puis le meilleur moyen dans ce jeu-là, en gros, c'est de conduire des voitures. Donc là, regarde, je vais juste me mettre ici. Perruche turbo. Mais comment que je fais au juste? Je peux pas genre la mettre dans mon affaire. Check. Ça, ça. Oh putain, faut que j'améliore ma plateforme. Oh, imagine, chevillon Camaro. 100 000 piastres. Oh, ça serait tellement cool, ça. En tout cas, on va conduire notre belle voiture. Attends, mais peut-être faut juste que je la mette, là. Puis si je fais ça même, ça comme ça, ça comme ça. Non, ça pourrait marcher. Oh oui, oui, oui. Ça marchait, ça marchait. Et là, le bouton sauter, il est direct dessus. Je vais essayer de régler ça. Là-dedans dans ce jeu-là, c'est de gagner de l'argent, c'est de bouger ta voiture. Alors, tu peux passer pour tu veux retrouver l'argent à droite, là. Ça monte assez vite. Je trouvais la vitesse max de cette voiture-là. Bon, fin de course. Ah, je pense que je vais perdre celle-là, même tout de suite, les chars qui ont. C'est des chars à genre 600 000, 1 million de dollars, les affaires de même.
Damn, c'est ça que je disais. J'ai fait la course. Ça nous permet de s'amuser, puis ça nous fait de l'argent gratuit. Puis en plus, le temps que je fasse la course, tout simplement, ça me donne plus d'argent que quand je la gagne, tu sais. C'est con. Mais pas depuis le début de la vidéo, parce que j'ai joué genre 40 minutes bien avant ça. Je vois encore être 4 heures. Mais je vous reviens quand j'ai 500 000 piastres. Attendez, regardez, là, j'ai pas encore... C'est tellement long, je pense que j'ai fait genre 10 courses à date, là, depuis que je vous ai quitté. Ok, mais regardez, là, je suis avec une Ford Focus, mais je vais la gagner, celle-là. Ford Focus, je pense qu'elle est genre à 70 000 ou un truc le plus bas que ça, là. Mais je vais la niquer. Moi, c'est un char à 150 000. Il est plus que deux fois plus cher qu'il y a déjà. Mon record c'est 1349 secondes. La seconde 449. Ouais non j'avoue, je peux pas le plus. On va juste courir. On va juste rouler de même là, sur l'autoroute puis c'est mort. En plus c'est là. Bon, regardez, on est rendu à 200 000 $. C'est ce que ça veut dire. On va s'acheter une belle voiture. La Dodge Snake ici. La une classe 2. Vitesse 270 km/h. Ok. Après, elle va pas vraiment plus vite. Hein. Ça là, elle va à 259. Hein. Ouais, ça monte lentement la vitesse là. Y'aura pas des meilleurs chars genre. Ou celle-là 270 mais elle est moins chère, tu sais. J'aimerais ça aller genre. Donc, on va arrêter cette vidéo là, j'espère que vous l'avez apprécié. En gros, je pense que je vais attendre juste d'avoir assez de Robux, ben assez d'argent pour acheter des Robux, comme ça je pourrais acheter une meilleure voiture. Donc, c'est ça, on se retrouve.